encore aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 4 joueurs qui pourraient rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. C'est parti. Junior Arlesé, plus communément appelé Junior Z, est né le 22 mars 2006. C'est un attaquant qui évolue au FC Bâle. Cette saison, il a joué 3 matchs en Ligue Suisse. Il évolue avec l'équipe jeune de la Suisse, mais ne serait pas contre représenter l'équipe nationale du Cameroun. Junior Z est technique et rapide. Il est très puissant sur son côté et il sait faire la différence. C'est un très bon finisseur qui arrive à porter son équipe et qui essaye d'avoir une place de titulaire avec l'équipe pro de Bâle. Félix Dio est né le 17 janvier 2004. C'est un avançant franco-camerounais qui évolue au FC Pau. J'ai pris contact avec le joueur et il m'a affirmé qu'il voulait jouer pour le Cameroun. Cette saison, il a joué 7 matchs avec l'équipe pro pour un but. D'ailleurs, c'est aussi le frère de Liam Jo. Boubadia est né le 1er juillet 2000 à Yaoundé. C'est un footballeur international camerounais qui évolue au poste d'avant-centre au FK Boko Klint. L'année dernière, il a tout cassé. Il a inscrit un total de 13 buts en 22 rencontres jouées et de 4 passes. Je pense que c'est une vraie pépite qui est sous le viseur de la Fédération norvégienne de football. Ils ont déjà Haaland. Et jouer avec Haaland, ça fait quand même plaisir, quoi. Du coup, il faut que Song se dépêche. Lui, il a l'amour du maillot du Cameroun. Il n'a pas accepté encore la Norvège. On ne sait jamais. Mais il est vraiment très très bon. Il a une frappe surpuissante. Et en plus, il joue dans le championnat norvégien. Du coup, il peut changer de nationalité. Mais il a l'amour du maillot. Et j'espère qu'il va bientôt être sélectionné. Même face à Grigori, n'importe quoi. Mais j'espère qu'il va être sélectionné. Voilà. Lior Baptiste Tchamadeu est un footballeur professionnel anglais qui évolue au poste d'arrière droit dans le club de Stoke City. Après certaines infos, il aurait dit oui au Cameroun et serait dans le prochain rassemblement. Ses qualités sont la compacité défensive, sa vitesse, sa finition et sa qualité en 1 contre 1. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je sais que cette vidéo n'a pas été la meilleure, même au contraire, mais moi je suis pas fière de ce talent que j'ai, qui est perdu. Mais en fait je suis un peu arrumée, et du coup c'est pour ça. Mais sinon, je reviendrai plus fort, avec une vidéo sur Ivan Donafed. Et une vidéo sur... je sais pas, on va voir. Une vidéo sur le mercato, du coup restez connectés la famille. Je vois que en ce moment les chiffres sont pas mal, minimum 1000 vues ou même 700. Vous êtes des légendes. Et même si je fais pas de vidéo, vous êtes des boss. Putain, vous êtes trop des boss en fait. Faut arrêter ça là. Je vais devenir tout rouge. Oula, wesh. Bref, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je reviendrai plus fort parce que là, j'ai changé de téléphone et tout. Du coup, bonne nuit.